Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. Je sais pas combien il y a de chapitres. Est-ce que c'est écrit dans le chapitre? Pour voir un peu. 6. Neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept. Ah ouais? 17 chapitres! Oh, ça va! Pa-p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 a. Ah ouais, putain, 17! Ça va! Attends, on est au quoi? On est au 6 là? On va commencer le 6. Ça va. Bon, vas-y, un petit dernier. Vas-y, un petit dernier. Allez. Allez, vas-y, un petit dernier. Allez, hein. Petit dernier. Petit dernier. Allez, petit dernier. Petit dernier. Chapitre 6. Un passé oublié, une affaire de meurtre classée. Un défunt et une détective unissent leurs forces pour résoudre ces deux mystères. La détective a confié une mission à l'homme assassiné, se faufiler dans la prison et trouver l'emploi du temps de demain d'un certain prisonnier. Et alors, moi, je n'ai pas d'emploi du temps pour demain. Voilà ce que je pense en ce moment. Ok. Ah oui, du coup, on est de revenu là, du coup. Qu'est-ce qu'ils racontent les bouffes là? Oubliez tout ça, écoutez-moi bien, mon garçon. Votre ligne qui brille comme le soleil ne sait sans doute même pas que vous existez. Ces détectives vont certainement vous crier dessus toute votre vie. Ne vous mettez pas dans tous ces états, à moins de contrariété, profitez au maximum de la vie. C'est vrai, il a raison. Pourquoi vous me laissez seul? Bon, bref. Alors, faut aller à la prison. Hein? C'est là, non? Alors comment ça se passe, ces préparatifs? Je crois qu'ils sont en train de s'en occuper. Ah oui, bon sang! Mais vraiment pas hâte. Ça me surprend un peu venant de toi. Je pensais que tu réfléchissais là sur le genre de choses. Au fait, c'était du sarcasme, juste au cas où tu l'aurais pas remarqué, bouffon. Pardon. Plus que 2 heures et le moment sera venu. Je crois qu'on devrait se remettre au travail. Oui, tu as sans doute raison. Ah, il a mis un nouveau post-it. Attention. Moi aussi, je devrais me mettre au travail. Tirer sur un tableau noir, ça c'est lui. Pas mal, D99. Alors. Hey, Bélé! Je n'ai même pas capable d'accrocher un pense-bête correctement. Emmener le prisonnier C38 à ça de téléphone. Ah oui, donc c'est pour ça que je pensais que c'était lui. Ah, tu n'as jamais entendu parler de cette histoire, l'affaire Rendez-vous secret. C'est un chanteur dans un groupe. Son groupe donnait un concert qui était retransmis dans tout le pays. En plein milieu du rappel, un énorme incident a eu lieu. Dans un sens, c'était encore pire qu'un meurtre, car des secrets d'État étaient en jeu. Un groupe de rock, je suis perdu. La chanson était intitulée Rendez-vous secret, mais les paroles de C38 à chanter étaient complètement différentes des paroles habituelles. Parce que les nouvelles paroles divulguaient tous les secrets obscurs et sordides de l'État.
Les documents de fond, les stratégies économiques extérieures, les opérations illégales, tout. Il était pris en flagrant délit de divulgation de secrets d'État. Sérieusement? Cette affaire a créé une véritable honte de choc dans tout le pays. Comment un chanteur de rock peut-il être au courant d'informations confidentielles? Alors ça, c'est un mystère. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas directement demandé cette enquête? Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils n'en ont pas encore parlé. Avant, tout ça relève du secret d'État. Et bah, du coup... Ah mais putain, il m'énerve avec sa pose. Tu peux arrêter de jeter les pense-bêtes que je dois te ce que j'ai à faire? Allez, on va dire que c'est, ça c'est le D99. Sûr. Hé, Bélé. Essaye de mieux les accrocher. Inspection prisonnier C75. Oh merde, c'est pas celui-là. Le prisonnier C74. Qu'est-ce qu'il a fait ce gros malin? Tu n'es pas au courant? Tu n'as pas entendu parler du siège de la préfecture de police? Pas que je sache. C74 s'est barricadé dans les locaux de la préfecture de police. Il a même pointé un énorme lance-flamme sur le directeur général. Quoi diable a-t-il fait tout ça? C'est la question que lui a posé les détectives sur place. Quelles sont vos revendications? Et? Le type a eu l'air troublé. Il a réfléchi pendant un moment et il a répondu: apportez-moi 5 portions de riz au curry et plus vite que ça. Du riz au curry, c'est tout? Malheureusement, non. Une fois son repas terminé, il a mis le feu au bureau du directeur général. Doline, à boire. Ah. Bah, il était là tout à l'heure. Angel, si tu es dans le chat. Moi, je l'ai encore dans mon chat. Mais il est pas co. Attends, je regarde s'il est co sur Discord. Ah, il est en ligne sur Discord en plus. Le petit Angel est demandé à l'accueil chez Elena. Le petit Angel, merci. Je lui ai envoyé un message en privé sur Discord, mais bon. Ah, il est là! Faut que t'ailles chez Elena! Faut que t'ailles chez Elena, apparemment on a besoin de toi, je crois. C'est bon, c'est géré? Bon, j'espère que c'est géré. Document important, la moustache du directeur général aurait été ravagée par le feu. Le curé était trop épicé. Putain, ça m'a mis hors de moi. Oh là là. Mais je peux pas avoir l'histoire de D99. Secret d'État aussi? Ouais, super, mais du coup, je suis full BZ. Ah, un ami de nouvelle. À bien finir par en parler de ce D99. Ah! Apporter son dîner au prisonnier D99. Le question est en train de lui préparer. Oh, quel lusque! Celui-ci, même moi, je sais ce qu'il a fait. Ah oui! C'est une bien triste affaire! Ça a été dur pour nous aussi. Il a tué sa femme devant un autre membre de sa famille.
Ok. Ah! Du coup, est-ce que D99, ce serait pas le père de Lynn? Ou ce serait pas le père de la... De la petite, là. Ça dit qu'il n'y avait aucune raison de faire une chose pareille. Ça relève également du secret d'État. Prison spéciale qui a justement été construite pour ce genre d'affaires. Qui sait ce qu'il a dans la tête ou ce qu'il cache derrière sa barbe? Il a été condamné pour meurtre. Et il aura une barbe. Bien, bien, bien. Ok. Alors maintenant, moi je sais. C'est l'heure. Ah, c'est le rocker. Oh putain, la vache. Oh, la dégaine. La dégaine du gars, horrible. Ah, mais là, je suis trop... vas-y, hein. Ah, mais là, j'ai pas le... Voilà. Comment on fait pour ça? Je dois résoudre ce mystère. Ok. Le gars, c'est... Ouais, non mais c'est bon là, je suis au bon endroit, ouais, voilà. Ok. Que le vide était destiné aux urgences. Après, je me demande si mon travail consiste à faire des rondes ou des châteaux de cartes. Allez, laissez-moi tranquille. Merci. Voilà. Hop, hop là. Ok. Bon, je peux pas aller jusque là-bas, mais bon, tant pis, à la limite, je peux pas l'écouter, c'est pas trop trop grave. C'est un prisonnier, il doit venir, c'est pas fameuses cellules, c'est pour ça. Autant attendre qu'il finisse son speech. Comme ça, dès qu'il a fini son... A plus, ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon, je suis sur la guitare. Je vais laisser un peu respirer. De façon bizarre de marcher, c'est dangereux, je te jure. Pas de sermon, mec. Je suis ma propre voix, celle qui mène à ma musique. Ok, c'est bon. Arrivons aux cellules. Maintenant, je dois trouver le prisonnier et déclarer de vérifier sur le point du temps pour demain. En quoi c'est un peu... Bah, parce qu'elle veut le faire libérer, je suppose. Bah... Vraiment... Saleté de prison. J'ai pas envie de passer une minute de plus dans ce roi-là. On dirait que le gardien est parti. Mais elle a que ça qu'à foutre. Hein. Sa tante me tue, j'espère que cette fois ça sera la bonne. Hein. Ah, ok. Je
Donc surtout à tête de saucisse. Tête de saucisse. Ah, de toute évidence, ce prisonnier n'est pas celui que je cherche. Il y a l'un des tableaux noirs en ligne à parler. Je devrais peut-être vérifier le producteur de demain de Parc Epic. Bah, y'a rien qui est noté, donc c'est réglé. Attends. Jetons un œil. Ce soir, perdu beaucoup de choses, la vie, la mémoire, mais apparemment, il y a une autre aptitude que j'ai perdue. Je ne peux plus lire. Je vois bien qu'il y ait une sorte d'écriture sur le tableau noir. J'ai aucune idée de ce que ça sonne bien pour... Oh putain, merde. Ah, ça va être embêtant. Je peux plus lire. Merde. Ah, comment je vais faire? C'est la merde. Merde, juste une ligne interne, elle peut m'appeler, hein. Les autres téléphones du bâtiment, j'ai déjà pris possession. Ok. Ok, salle des gardiens. Un peu d'urgence. Faire un petit essai. Ah, j'aurais pu faire ça. Ah, merde. Oh, j'aurais pu faire ça. Bah, c'est trop tard du coup. Oui, oui, Akari, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, ils essaient de s'évader. Prépare-toi au cas où, je n'en dis pas plus. Quoi, comment ça? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Prépare-toi! Je ne sais pas, j'ai peur, au secours. Oh putain. Là, il pense qu'il ratouille. Attendez, parce que si je fais le bouton d'urgence, ok. Alors, attendez, je fais ça. Du coup, ah, je peux pas. Si là, donc là, normalement, il peut me jeter dans les toilettes. Ah, c'est ça. Lui, il a une barbe, mais est-ce que c'est lui? Je sais pas. Putain, ils sont en train de creuser pour se barrer, les filous, là. T'es pas encore. Ok, d'accord. Ok. Donc là, je suis là. Je suis là, poubelle. Je n'arrive toujours pas à lire. Merde. Ok. À son allure, ce doit être l'amateur de Curie à l'affaire du siècle. Ah oui! Petit tableau noir, juste pour être sûr. Ouais, mais alors, je n'arrive pas à lire. C'est le drame. Euh...
D'accord. Ok. Ah, dégueu. Donc en fait là, il part creuser. Ok. Oui, ils sont les... Ouais, ok, j'ai ok, et donc là, je suis atterri dans l'autre cellule. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ce serait lui. Je pense que c'est lui, du coup. Il a une barbe, ça doit être que lui. Quelle étrange cellule. Et le président qui s'y trouve a l'air de s'y plaire. Bon, oui. La dernière cellule de ce secteur, ce qui signifie que cet homme qui fredonne doit être le prisonnier des 99. D'après ce que les gardes ont dit, celui qui aurait tué sa femme devant un autre membre de sa famille, donc probablement sa fille. Qu'est-ce qui a pas pu se passer en réalité? Et pourquoi Lynn s'inquiète-t-elle autant pour ce prisonnier? Je n'ai aucune réponse et il imagine qu'il est inutile que je la connaisse. Ça va être son père, non? Simplement, ça me semble un peu pas évident, mais bon. Ah, peut-être je peux. Ah! Ah, si, ouvrir, parce que j'allais dire merde. Ah, coupure du journal. Ça peut être intéressant, ça. Ah oui, je peux pas le lire. Oh. Ah, il y a des photos, mais du coup, j'ai pas accès. Donc, l'emploi du temps de demain du prisonnier des 99. L'information dont Lynn a besoin devrait se trouver sur ce tableau noir. Malheureusement, je ne peux plus lire. Et puisque je suis là, autant jeter un coup d'œil. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il n'y a absolument rien d'écrit sur le tableau. Il me semble qu'il y ait quelque chose d'écrit sur le tableau noir des autres prisonniers. Celui-ci est aussi propre que le jour où il a été accroché. C'est embêtant, du coup. J'ai l'information que Lynn m'a demandé. L'emploi du temps de demain du prisonnier des 99 et rien. Et rien parce qu'il va mourir. Parce qu'en fait, c'est probablement... il va être probablement mis à mort ou un truc comme ça, je suppose. Est-ce que ce renseignement lui sera utile? Je n'en sais rien et ça m'importe peu. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour le moment. Ouais, du coup. L'emploi du temps demain hein, est vide. Ouais, aussi vite que possible. Ok. Et bah, du coup. Oui, bah oui, je le ferme. D99, votre dîner! Ah, ok. Quel festin ce soir. J'adore ce poulet. Dommage qu'il soit complètement froid et dur. À sa consistance, je dirais qu'il a été cuit il y a environ 2 heures. D99, je sais qu'il est plutôt inutile de vous demander ça maintenant. Mais j'aimerais savoir, pourquoi vous faites ça? Je suis d'accord avec vous, ça n'a plus aucune importance maintenant. L'affaire était classée il y a encore plus longtemps que ce poulet n'a été cuit. Tout le monde l'a oublié, et moi aussi. Détective Jod. Ah, donc c'est... Ouais. Donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon. Laissez-moi manger ce poulet avant qu'il ne refroidisse tellement que je ne puis plus le couper. Il y a encore une chose qui me taraude depuis longtemps. Laquelle? Qui est l'homme du tableau? Oh, celui-ci? Eh bien, quand on passe tout ce temps en prison, on commence à oublier les visages, vous savez. Alors je peins ceux que je ne veux pas oublier. Et celui-ci est le dernier de ces visages. Oh, putain de bordel de merde! Au secours!
C'est embêtant. Vous pourriez me laisser un peu seul maintenant. Pour que je puisse manger tranquillement. Oui, bien sûr, désolé de vous avoir dérangé. C'est embêtant. C'est la merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi y a-t-il un portrait de moi dans la cellule de cet homme? Qui est ce prisonnier? L'homme sur lequel Lynn enquête est en train de perdre un portrait de moi dans sa cellule. Il faut que je voie Lynn et vite. Mais pas pour elle. Pour moi, pour résoudre ce mystère. Mon mystère. C'est embêtant, hein. Ah, poubelle, ouvrir. Ok. Oui, bah... Là, dans la salle des gardiens. Ici le commissariat, quelle est la situation chez vous? Oh chef, c'est vous! Ils sont en train de tout préparer, aucun problème chef. Il reste combien de temps? 1 heure chef. Bien, continuez. Oh, une dernière chose. L'inspecteur Kabad est là, désire vous parler. Bonsoir, Cabanella à l'appareil. Comment ça va, les filles? Inspecteur Cabanella, très bien! Vous avez reçu un autre appel ce soir, n'est-ce pas, la petite? De Lynn? Oui. Est-ce que vous avez dit quelque chose d'intéressant? Oh non, rien de spécial. La pratiquante a raccroché tout de suite. Je vois. La prochaine fois qu'elle vous appelle, prévenez-moi immédiatement. Ça serait gentil. Oui, inspecteur. Essayez de me cacher, vous le regretterez pendant très longtemps. Oui, inspecteur, je vous apparaîtrai dans la foulée tout de suite. N'oubliez pas, je suis fugitive après tout. Oui, inspecteur. Bien, continuez comme ça, je passerai peut-être un peu plus tard. D'accord, inspecteur, avec plaisir, inspecteur. Bah, super. Du coup, ça, ça va être... Attends. Je parle de la petite Lynn. Inspecteur Camilla, qu'est-ce que sa section vient voir avec Lynn? C'est la merde. Et lui, étaient bons amis, non? Ah! Ils étaient bons amis, d'accord. Ok. Ouais, y a un bail, y a un truc. Oh, il est... Doline, à boire. Fallait pas me prévenir pour le calendrier. Ah bon, pourquoi? T'as eu un morceau de charbon? T'inquiète, j'ai bu à Carrie. Il a quelque chose à t'annoncer, comment ça? Comment ça, il a quelque chose à m'annoncer? Bonne chance de l'écoute! Ah, j'ai peur! Coucou, Boson! Bonsoir à toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. J'ai gagné le droit de te faire imiter un animal! Comment ça? Pourquoi? Ben, pourquoi? Mais oui, j'ai rien demandé. Mais pourquoi je suis dans la sauce? Pourquoi je suis dans la sauce? En l'occurrence, c'est d'Otarib. Je vais pas faire l'Otarib. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires. Ça je sais faire. Ouais. Et du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Merci beaucoup, Bozo, pour ton sub. Merci beaucoup. Oui, ça c'est beau. Non, mais je sais pas faire l'otari, moi. Pourquoi je suis dans la sauce? Pourquoi je suis dans la sauce? Moi, j'ai rien demandé. Moi, je suis en train de streamer, je suis en train de faire un truc. C'est pour un peu de motivation, hein, merci. Hein. Je sais pas faire l'otari. Qu'est-ce que vous faites chier? Je sais même pas c'est quoi le bruit.
Tu me dis, elle est là. Non, mais d'accord, mais là, je suis en stream. Je suis en stream, là, je suis pas en tant que modo. Puis même, c'est pas parce que je suis modo que. Je sais pas faire. Qu'est-ce que vous faites faire à l'Outari, là? C'est. Franchement, les plans cul comme ça, franchement, on peut s'en passer, hein. Tu vas passer quoi le bruit du Outari? Moi, j'en sais rien. Chez toi-même, Charles, hein. Oh, mais oh! Je sais pas, moi, je sais pas. J'ai rien demandé. No, God! No, God, please, no! No! Qu'est-ce que t'as fait? Bah non, non, bah non, bah non! Je suis en train de streamer là! Je suis occupée là! Pas venir, hein! Notary, je sais pas comment ça se fait, moi, Notary, là! Notary, bête de somme, en plus, c'est un animal de la bête de somme, hein. Ça c'est beau ça! Ça, comment on fait? Vidéo, attendez. Si je mets son, ça, je devrais trouver, hein. Quoi? Dès les premiers... Non, mais je veux pas la pub! Voilà. Je suis pas mieux à vous donner, hein. Vraiment, Non, pas mieux, voilà. 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 J'ai tout donné. Je... Après, il y a comme ça. Je peux pas mieux faire, hein. C'est un chien enhumé, hein. Bah écoutez, merci beaucoup pour le follow, Boson, merci beaucoup. Je sais pas quel calcul que j'aurais employé. Ah bah écoutez, là, j'ai tout donné, là. J'ai tout donné. Franchement, voilà, c'est l'Otari de Maryland, écoutez. Ah non, ça c'est pas une Otari, ça. Mais y'a pas de cri! Mais sous notre gueule! Ils disent le cri de Tari, y'a pas de cri, hein. Franchement, pas de cri, hein. C'est pas faire! C'est. Moi. Écoutez, moi j'arrive à un stream! Moi je suis pas. Je suis pas le. Merde, comment il s'appelle l'autre? Quoi ça s'appelle l'humoriste là, les imitateurs, je sais pas, le canteloup des animaux, hein, désolé, hein. Franchement, je sais imiter des trucs, hein, genre, je peux faire Sarkozy. Bonjour, écoutez-moi bien, écoutez, je vais vous répondre, voilà, ça je sais faire, je peux faire Bulle bizarre, ça je sais faire, tu vois, ça ouais, ça c'est ok, tu vois. T'as les 8, des Pokémon, c'est ok. Mais alors, des animaux, voilà, l'Otari. Après, très, très, très beau choix d'animal, puisque, voilà, l'Otari fait partie des animaux un peu emblématiques de la baie de Somme, et ça fait plaisir. Vive la Picardie libre, bien sûr. mais bon, voilà, quoi. a choisi son modérateur préféré, et du coup, elle devait te faire la vie d'animal. Je me suis bien douté. Et les répliques de films. Oui, voilà, il y a 2-3 trucs, ça va, quoi. Mais je vous avoue, les animaux, c'est pas pour délire, quoi. Mais bon, j'espère quand même que cet Otari vous a plu. Bon, c'est une Otari malade, hein, je suis désolée. C'est une Otari un peu malade, mais bon. J'ai tout donné. Donc, j'espère que ça vous a plu, hein. Pour ton public, hein, bien sûr. En plus, je me suis tuée à la gorge. Je me suis niquée à la gorge. En tout cas, merci Angel, hein. Merci Angel, hein. Ça spinner d'aban, hein. Ça va être ban def en direct. Sûr. Mais je crois qu'il fait un tri. Togé tri. En fait, ça fait pas un pi, en fait. La face, ça fait togé tri.
Et même Madame Sarfati. Ouais, mais Madame Sarfati, c'est voilà, c'est un personnage que j'incarne. Il y a même pas de, il faut la charpe et tout. Tu vois, c'est voilà. Voilà, tiens, mais bon, c'est clippé en mémoire, bien sûr, évidemment. Une notarie en fin de vie, mais je valide. Ouais, c'est notarie très malade, hein, clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une araignée qui est en train de descendre. Ah, c'est super ça. Mais attendez, je savais pas qu'on était à Halloween en retard ici. Attendez. Non, mais à un moment donné, t'es bien gentille, ma cocotte, mais casse-toi. Merci. Bon, je l'ai pas tué, hein. Juste, c'est bon. C'est bon. Me pique pas. Tu vois bien que tu restes, ça me dérange pas, mais tu me piques pas. Oh putain, je me suis. Merci, hein. Merci Angel. Merci. Je prends note. Je prends note. Bon, revenons à l'eau mouton, du coup. Pardon. Alors. Putain, ça sur la VOD, let's go, hein. Quel plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, attendez, je suis mal mise. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu était mon idole, tu sais, c'est lui qui m'a donné envie d'être détective. Et regarde-moi, je suis en train de pourrir dans ce trou à rats. Je ne peux rien faire pour aider Lynn. Je suis en train de gâcher ma vie. Oh bébou, elle est triste. Tu pleures? Arrête. Ce nouvel aspect de ta personnalité a quelque chose d'émouvant. En tout cas, il faut que tu essaies de réparer ce qui ne va pas petit à petit. Comme ton château de cartes, par exemple. Il s'est écroulé, tu sais. Pff. Ok. Et du coup, extérieur. Et du coup, il faut qu'on aille retourner... Ah, bah, faut aller au buffet, parce que c'était là-bas qu'elle était l'autre. Ah, merci, hein. Merci à tous. Hein. Clap, clap, bien sûr. Le buffet poulet, ça va me donner envie de... Ouais, c'est pour ça que je vais aller manger après. Hein, quand... C'est vrai que la petite demoiselle d'élite doivent se retrouver, mais... Eh ben, elle est pas là. Aucune d'entre elles n'est là. Je suppose qu'elles ne sont pas encore arrivées. C'est-à-dire qu'elle va encore se faire tuer la bouffe. Tu peux faire le bruit de Aurélie devant une raclette? Ah, le bruit, je sais pas, mais... La tête, c'est... Le sourire. Le bruit, il n'y en a pas forcément, mais le smile. Le très grand smile d'Aurélie de Bruno Raclette, bien sûr. Comme moi, évidemment. Le commissariat, par exemple. On dirait qu'il considère Lynn comme une fugitive. Est-ce que l'inspecteur Robin est vraiment du côté de Lynn? Ok. Ah, faut aller au commissariat. Bon, bah, allons au commissariat. Écoutez, au commissariat. Ah merde, j'ai pas le temps de lire du coup. Ça s'est joué à trois fois rien. Il reste encore un peu de temps, pas beaucoup, mais encore un peu. On a fait surveiller le point X toute la nuit. Le point X? Comment ça? Le point Twitter? Au fait, qu'est-ce qui se passe avec cette autre affaire, celle du meurtre de la décharge? C'est vraiment elle? Aucun doute là-dessus? C'est une petite vilaine. Disparaître de la scène du crime comme ça, je me demande où elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est vraiment elle? J'ai bien entendu. Je crois qu'il parlait de mon assassin. Impossible. Mais non, c'est pas elle. C'est sûr, c'est pas elle. C'est sûr, c'est pas elle. Je crains de ne pas pouvoir la réponse, je crois encore moins que vous. Et pourtant, après avoir vu ça, nous n'avons pas d'autre choix que d'y croire. La vidéo de la caméra de surveillance de la section d'enquête vient juste d'apporter. Un genre, on la voit en vidéo me tuer. D'ailleurs, faut qu'on s'en calune avec les copains. Tout à fait. Je ne sais pas quand. Faudrait voir avec eux d'ailleurs, entre de... peut-être Noël et Nouvel An, je sais pas. Ou P-
pas à Bird justement ce soir. Je crois que vous prenez les choses à l'envers, chef. Si nous avons affaire à un meurtre maintenant, c'est justement parce que c'est un soir important. Ok, antenne dépliée. Alarme, haut-parleur. Ça, on va voir. La décharge dans laquelle je suis mort était équipée d'une caméra de surveillance. Elle a filmé le moment de ma mort. Ah! Est-ce que j'ai vu sur la vidéo est la plus cruelle des vérités qu'on puisse imaginer. Ah, oh putain, je l'ai vu quelque part cette valise. Je l'ai pas vu quelque part cette valise. Ça pue le montage à plein nez. Non, je crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Vous avez beau la regarder, les faits sont les faits, inspecteur Cabanella. Ce n'est pas moi qui viens de lancer la vidéo. Approuvez, inspecteur. Il y a quelque chose qui me chiffonne sur cette vidéo. J'ai aussi regardé toutes les photos de la scène du crime, mais... L'endroit où la victime a été tuée est différent de l'endroit où elle a été retrouvée. Le tueur en noir est celui qui m'a envoyé en bas. Mais j'ai changé son destin, alors il ne devrait plus être là. Et pourtant, me voilà encore à l'étage d'en dessous. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. La réponse est juste là, quelques minutes après le meurtre. Miaou! Ah, vous allez faire une très belle évaluation sur du chat aussi. Miaou! C'est un chat noir? Exactement. Les boules de poils a semé la confusion sur notre scène de crime. Puis, ce petit chat s'est évanoui dans les ténèbres de la nuit. Semblerait que ma chute à l'étage du dessous soit très difficile à éviter. Ici le voix X! Répondez, chef! Monsieur chef, qu'est-il arrivé? Non, chef, pas encore, mais... Oh, sombre idiot. Je vous ai dit d'utiliser la radio que pour les informations importantes. Mais c'est important, chef. Quelqu'un d'autre est arrivé. La jeune détective Lynn. Quoi? Elle est là, la petite? On m'a dit qu'elle est en cavale, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse, chef? Non, qu'en dites-vous, inspecteur? Détective, éloignez la petite du point X. Sur le champ. Ensuite, arrêtez-la. Bien reçu, je m'en occupe immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Lynn viendrait au point X? Il a fallu 6 mois à la section d'enquête spéciale pour repérer cet endroit. Je ne sais pas, à mon avis, ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être. Il s'est basé. Qu'est-ce qui se passe? Répondez, détective. Quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Oh, bon sang. Il faut que je passe un coup de fil au point X, vous permettez? Ok, bordel. Ah merde. Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous dites? Je comprends maintenant, je sais en fait ce que ça fait. Au client mort de faim quand on livre les repas en retard. Excusez-moi, je suis bien au
buffet poulet. Comment? Vous n'êtes pas la police? La police? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous demandez s'il s'est passé quelque chose? Je dirais plutôt qu'il n'y a plus rien d'ici. Oui, il faut que j'y aille. Attendez! Oh putain, il est mort l'autre! Oh putain, le bouffé est mort. Oh là là. Nous allons au point X? Au point X? Non, je laisse ça au petit gars. Il doit aller ailleurs. Non, ça ne changera rien. Pourquoi vous imposez ça? J'ai une responsabilité, je dois subir jusqu'au bout. En plus, ce n'est pas encore tout à fait terminé. C'est le bordel. C'est le bordel. Le prisonnier D99 n'avait pas d'emploi du temps pour demain. J'ai l'impression que ça fait des lustres que j'ai fait cette découverte. Et maintenant, mon esprit est encore plus vide que ce tableau noir. Lynn, ma seule piste et ma partenaire, m'a tiré dessus. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je sais où aller chercher des réponses à mes questions. Buffet poulet, le point X que la police fait surveiller. L'endroit où il vient de se produire quelque chose d'important. Dans quel pétrin se trouve Lynn quand je la retrouverai là-bas? Bah, je vais où alors?